Et Yomino, j'espère que vous allez bien. C'est Maître Dragon. Et on se retrouve donc pour la suite de Persona 4 Royal. Royal. Persona 4 Golden. Ça, c'est d'avoir trop joué à Royal, j'ai un peu de mal. Excusez-moi. Je sais plus ce qu'il fallait faire déjà. Ah oui, trouver des indices pour Kenji, mais je crois qu'on avait passé à... on avait parlé à tout le monde, hein, je crois. Là, elle a rien. Ouais, bah, c'est pas grave. Ah, tu cherchais un petit garçon avec une cassette? Oui, je l'ai vu se promener dans le coin en ce moment. Il a même posé des questions sur cet accident. Il était juste là il y a peu, mais il va peut-être revenir demain. Ok, bon, bah, on reviendra demain. Ok, bon, bah, j'ai bien fait de lui parler, en fait. Il manquait juste ici que j'ai pas été. À moins que j'ai été, mais j'ai pas parlé à la dame. Bon, bah. Allons-y. Rentrons à la maison. Okaeli. Oh, je mets un Okaeli, hein, si je rentre, hein. Merci. Ah, je peux lui parler. Oui. Allez, go. Allez, go. Oh, hein. Grand frère. Nanako est agité. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, eh ben, Est-ce que tu es fils unique? C'est ça. Alors tu es tout comme moi? Oh mais tu es là maintenant alors. Il y a un moment papa m'a dit que notre famille ne deviendra pas plus grande. Mais maintenant j'ai un grand frère. Nanako vous regarde avec un grand sourire sur le visage. Ah c'est tout? Ah mais ça a été rapide. Ça a été très rapide hein. On discute, grand frère? Je veux que tu me parles de ton école. Ok. Il s'est fait tard, alors vous avez mis Nanako au lit et est allé dans votre chambre. Et on est allé se coucher. Voilà. Bon. Yo, you. D'après la météo, on n'aura pas à s'inquiéter du brouillard pendant le mois. Restons calmes comme d'hab. On est capable de réussir la mission et de montrer encore. On est capable de réussir la mission et de se montrer encore à la hauteur. C'est un bon plan. Ouais, stresser ne nous apportera rien de bon. Profitons bien du temps qu'il nous reste avant le prochain jour de brouillard. Comme ça, on sera sûr qu'on pourra le sauver. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi. Hé hey, tout le monde, ils ont affiché les résultats des examens. Ah, l'horrible moment de vérité. Bon, bah tu vas les voir. Normalement j'ai réussi. Hein. Votre note est dans le top 10. Waouh, pas mal. Bien joué, You. T'es vraiment intelligent. Vous sentez que vous êtes légèrement rapproché de vos amis du lycée. La pause déjeuner est presque terminée, vous décidez de retourner en classe. Oh, ça a abusé. Ouais, mais en fait, j'avais bien répondu aussi, donc c'est vrai que... Donc, elle m'a dit que... le garçon serait là. Donc, on va aller voir, hein. Ah bah y'a un garçon ici. Ah bah c'est lui. Je peux faire quelque chose pour toi? Beaucoup de gens de la ville viennent se retrouver ici. C'est un endroit très pratique, n'est-ce pas? N'est-ce pas le garçon que Kanji a raconté il y a quelques temps? Il pourrait savoir quelque chose sur Kanji. Tu demandes s'il y a quelque chose d'étrange quand j'ai parlé à Kanji, ça? Très bien, cela semble être une urgence. Je vais donc te raconter. Si tu parles des récents événements, alors oui. Il y avait quelque chose qui sortait de l'ordinaire. C'est quelque chose donc que j'ai ressenti quand j'étais avec lui. Je lui ai donc directement dit ce qui me semblait être une personne étrange. Quand je lui ai dit cela, son expression a soudainement changé. Il est très surpris. Sur cette base, je crois que ses actions étaient quelque peu forcées et non naturelles pendant notre entrevue. Il pourrait y avoir une sorte de complexe, mais je n'ai vu aucune preuve de cela.
peut-être un indice suffisant pour que Teddy puisse vous faire avancer. Vous devriez faire un rapport à Teddy dès que possible. Eh ben... Je pense qu'on a ce qu'il faut pour aller voir notre cher ami Teddy. Ok, on a tout le monde. Faire un point, donc logiquement c'est bon. Ok. Eh ben... Allons-y. Encore la transition de malade, hein, comme j'adore tant. Et avec la musique que je kiffe, ça va faire... Oh, vous en avez trouvé? Oh, vous avez appris plus sur Kenji? Un complexe? C'est tout? C'est tout ce que j'ai pour le trouver. C'est tout ce que j'ai pour le trouver. À force de m'exploiter, vous allez m'écorcher jusqu'à l'ours. Ok, bon, je vais vous ouvrir mes narines. Très grand et renifler très fort. Oh, je crois que j'ai trouvé quelque chose. On dirait bien que c'est notre cible. Est-ce que c'est bien ça? Suivez-moi. À quoi ça ressemble? Il fait affreusement chaud. Ah, c'est un sauna. C'est moi ou le brouillard ici semble un peu différent? J'ai de la buée sur mes lunettes. Oui, il fait chaud là-dedans. On se croirait dans un sauna. Approche, mon chaton. Oh, des pecs si bien dessinés. Nul besoin d'avoir peur. Maintenant, détends-toi. Attendez une seconde. Je veux pas y aller, moi. Est-ce que Kenji est vraiment là-dedans, Teddy? Mon flair ne me trompe jamais. On va vraiment y aller à l'intérieur? Ah, je peux déjà sentir la sueur couler dans mon dos. C'est parce qu'il fait si chaud. Kenji a été localisé, il ne reste plus qu'à le sauver. Vous devrez vous préparer pour cette mission de sauvetage. Alors, on va pas sortir de la télé? Ah non, parce que j'allais dire t'abuses, frère. Ah non, non, mais vous restez dans l'équipe. Vous restez dans l'équipe, hein. Faites attention. Ouais, mais je suis en train de me dire... Il y a vraiment beaucoup de vapeur ici. Alors pourquoi je ressens un frisson parcourir mon dos pelucheux? Je crois que j'ai attrapé... Je crois que j'ai attrapé un rhume. Mon nez est totalement inutile. Kenji, où es-tu? Réponds-nous. J'allais dire, Teddy ne nous a toujours pas rejoint, en fait, honnêtement, actuellement. Ça aurait été bien que c'est le cas. Après, peut-être qu'il va nous rejoindre un peu plus tard, hein. Donc, à voir. Ouais. Ah, attendez, pourquoi mon téléphone il vibre? Voilà. Je vais retirer le mode vibreur. Voilà. Allez, téléphone, casse-toi. Tu me saoules. Est-ce que l'ombre, elle est toujours là? Ouais, elle est toujours là. Ok. Ok. Est-ce qu'on attaque classique ou on va faire mal? Ouais. Ou allez. Eh ben, on va prendre
un plus 2 pour ça. Et ça. Donc on a une nouvelle persona qui est Titan. Qui est niveau 14. Donc il va remplacer bah lui, Ulkobosh. Par contre j'ai perdu beaucoup de vie parce que le dernier recours en fait il fait très mal. Hein. C'est ça en fait le souci. C'est quand même que le dernier recours, hein, c'est pas. C'est... Enfin, il fait mal, hein. C'est pas qu'il est chiant, mais c'est qui fait très très mal. Est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui a un média? Ouais, c'est qui fait très mal même, ouais. C'est ça en fait le truc. Ok, là il y a un passage. Est-ce que vous pensez que là en fait j'y étais? Et qu'il y avait un cul-de-sac en fait ici. Ah, je l'ai pas pris par surprise. Ok. Affecté par la panique. Ok. Non, non, je vais pas faire ça. Oh, c'est l'habitude de faire triangle pour taper avec une persona. De taper avec une persona, ouais. Ma buffu. Oh, ils sont résistants à ça, ok. C'est pas grave. Ah non, t'en prends pas un de tes coéquipiers. You. Qu'est-ce que tu branles? You, t'es un peu abusé là quand même, hein. Non, je pense que You, franchement, t'abuses. Hein. Tu t'en es pris à tes coéquipiers. Bon, après, c'est de ma faute, j'ai appuyé sur triangle. Donc, Faut que je prenne plus l'habitude maintenant d'appuyer sur triangle, maintenant que j'ai fait une personne à 5. Qui est triangle, qui est la compétence pour... jouer sa persona, quoi. J'ai l'avantage, nickel. Bon, ils ont pas l'air de craindre la foudre. Non. J'ai là, y'a. Est-ce que vous craignez le Mabufu? Yes! Ok. Nickel. Ben collecte de PV de PC. Je pense que c'est le mieux à faire, une collecte de PV de PC. C'est le mieux à faire. Donc ce passage là, c'était pas un cul-de-sac. Un miroir magique. Ça a l'air vraiment d'être le bon chemin. Hein. Ouais, il y a un escalier. Et ici? Donc, eux, ils craignent quoi, eux, vous pensez? On n'a pas testé le Zio. Ils craignent pas le Zio. J'ai là, Lia. Ils craignent le vent. Ok. C'est bon à savoir. Oula, 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 oula. Ok. Donc là, on fait un plus 1 si on met changer en persona. Donc ça peut être pas mal si on a une personne en plus. Ah, Holobas, on l'a déjà. Et c'est niveau 2 la carte. Il n'y a pas marqué 1 comme la plupart du temps. Donc ça veut dire que... qu'elle donnait plus.
Un coffre ici? Ok. Oh, des requins. Ike, je l'aille. Ok, renvoie la glace, lui. Mais il craint quoi, lui? Le Zio? Vous pensez que c'est le Zio qui craint? Après, c'est un poiscaille, hein. Non. Je ne sais pas. Voilà, tant pis. Donc on a eu un évadé. Ok. Un évadé. Donc le poisson, c'est pas ce qu'il craint. Alors, la glace. Personne. On va faire attaquer cette bestiole. Ouais, là ils craignent vraiment rien. On va faire ça. Alors, là on peut avoir un plus 2 et on pourrait prendre les deux personnes là. Donc je prendrai cette personne là, cette personne là. Ghoul, qui est niveau 9, on peut la remplacer par marchand de sable. Et Lilim, qu'on va remplacer par par Apsara. Voilà, comme ça c'est fait. Là, on peut monter les escaliers d'un coup, hein. Comme vous savez, on va dans le sous-menu. Voilà. Nous avons encore trouvé Kanji. En fait, maître, je peux vous demander quelque chose? Pourquoi il y a autant de vapeur ici? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec Kanji? Je ne comprends pas vraiment. De quoi s'agit-il, maître? Je crois que j'ai une piste. Ah, ça c'est mon maître. Est-ce qu'il y a quelque chose donc que vous ne savez pas? Actuellement pas encore. Oh putain, il y a des Endek. Oh non. Je veux pas de Endek. Je m'en souvenais pas que j'avais Magalou. Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué. Là, au moment où je record, c'est au moment où je suis en train de reprendre le jeu. Juste après avoir terminé Persona 5. Hein. Donc je sais pas si j'aurais mis tout le Persona 5 avant ça. Mais actuellement, j'ai fini Persona 5 Royal. Donc... Qu'est-ce que vous craignez, vous? Ok, c'est pas ça. Ok, moi je sais que vous craignez le feu. Donc ça, au moins, on sait qu'ils craignent le feu. Donc déjà, ça, c'est un bon... C'est une bonne chose. Bon, ça, on commence à savoir la faiblesse des mecs. Alors, par contre, vous, je ne sais pas votre faiblesse. Il renvoie la glace. On n'a pas testé le physique. On n'a pas testé les compétences physiques. Il craint pas le physique, ok.
Eh ben on va faire comme ça. Voilà. Oh, inédit, je l'ai pas celle-là. Donc on va diviser ça par deux. Ça. Et un plus 1 pour avoir une carte Persona. Et c'est-à-dire qu'on aura un tirage fini. Bonus rafale. Ah non, c'est qui j'ai eu? Sylph. Eh ben la place de... Sylph, c'est la tempérance. J'en ai deux de force, donc je vais virer Valkyrie. Non, je vais... Ouais, je vais virer Valkyrie. Level up, shot. Ah non, la justice, je la garde pour Nanako. C'est vrai que c'est une Persona pour la justice. Enfin, la Persona pour la justice, c'est pour Nanako, donc... Je ne vais pas la... La gâcher. Donc... Simplement. Donc les flics, ils craignent la ils craignent quoi déjà les flics? Ils craignent le feu. Bah voilà. On a obligé un tirage vu qu'on a un bonus rafale. Donc on a obligé un tirage avec déjà 3 cartes dès le départ. Donc je veux 1 plus 1 parce que je veux une Persona. Ça, ça et ça. Voilà. Izanagi qui monte de niveau. C'est super super cool. Je sais plus si j'ai deux clés, mais en cas où on va pas s'emmerder à tout chercher. Ah c'est vrai qu'il me voyait pas à cause de ma carte rafale. Il me voyait pas, c'est vrai. Vous, je crois que vous craignez la glace, les bonhommes, non? Ouais, la glace. Vu que vous craignez la glace, je vais pas m'emmerder. Allez les petits pigeons. Voilà. Dégagé. Le bonus rafale comme d'hab. Hein. Alors en inédit, on a lui qu'on veut. Ça c'est l'XP divisé par 2, je ne veux pas. Ah bah si, on n'a pas le choix. Mazio. Oh, Mazio. Là, c'est l'arcane du pape. L'arcane du pape. Ah bah j'en ai deux de justice. Archange et ange. Donc on va enlever ange. Ce Mazio, c'est la foudre sur tout le monde. Donc autant donner cette compétence à... Autant donner cette compétence à... Qu'on affiche des dégâts légers électriques à tous les ennemis. À Izanagi. Voilà. Voilà, comme ça il a sa compétence Mazio au complet. Et comme ça on est refait. Voilà. C'est tout ce qu'il fallait. Donc là on est au troisième étage, c'est ça? Waouh. Je viens d'avoir des frissons. Il y a quelque chose à cet étage, faites attention. Un boss, tu penses?
Oh! Alors ça c'est pour notre cher ami Yosuke. Allez Yosuke, fais-toi plaisir. Yeah! Oh là oh là oh là oh là oh là oh là oh là! Ah franchement on a géré là. Ah je suis un lapin. Yomutsu Shikome. Bah on va faire ça. Changer de persona. Pour avoir l'XP et un Saki Mitama. Toi t'es l'arcane du mât. Bah c'est pas grave. Toi, t'es l'arcane de la papesse. La papesse, pour l'instant, on va laisser comme ça. Bon, on a sacrifié un peu certains trucs, mais ça en vaut vraiment la peine. On a gagné deux nouvelles personas. Ah ouais, je veux, comme pour Persona 5, remplir le compendium. Ça, c'est vraiment le but. C'est comme dans les Pokémon, tu veux remplir le Pokédex. C'est obligé. Bon allez go. Ils sont une présence. On verra ce que c'est. Le voilà. Kanji. Ouh, mon dieu. Merci de m'accrocher votre entière attention. J'ai enfin pénétré cet établissement. Ces images vous permettront en direct à l'intérieur de ce paradis torride. Mais je n'ai pas encore fait de charmante rencontre. Est-ce que cette chaude fumée en serait la cause? C'est comme si la vapeur s'échappait de la sueur. Mon corps fourmille d'excitation. Merde, c'est tellement malsain, il n'y a rien qui y va là. Je me souviens que c'était aussi un peu comme ça pendant le show du Kiko. Non, c'était pas comme ça. Si, si. Encore ces voix. Attends, elles sont plus fortes cette fois. Ces voix. Je me demande à qui elles sont. Puisqu'il n'y a que la victime ici, est-ce que ce sont les gens qui regardent de l'intérieur? De l'extérieur? Tu veux dire que tous ceux qui regardent la chaîne de minuit, ils réagissent au show? Aïe, si là des gens regardent Kanji, il ne va pas devenir le genre de légende qu'il aurait voulu. Bon, c'est son nom en fait, mais les gens normaux ne le sauront pas. Les ombres s'agitent beaucoup. Cette chose insaisissable que je convoite tant, la trouvais-je enfin ici? Alors, allons en avant, toujours plus profondément pour atteindre de nouveaux genres de romance. Allez, on y va bordel. C'est quoi ce truc? Kanji! C'était son autre lui, il essayait de révéler ses émotions refoulées. C'est encore pire que cette fois qu'avec l'ombre de Yuki. À ce rythme, il va se mettre tout nu. Tout nu? Oh non, le voilà qui arrive. C'était censé rire. J'étais censé rire. Oh, le bide. Oh, il a fait un bide. C'est ce qu'on appelle chez les humains, mon cher Kuma, un bide. Ton truc n'a pas fait mouche. Bon. Avançons. Ok, il y a des ombres ici, des ombres là. Et la porte est verrouillée, sa mère. Donc ça veut dire que je suis censé aller de quel côté? Oh! Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Ok. Ils craignent pas ça. Oh oui, c'est chier. Relève-toi, Yukiko. Ok.
Izanagi. Ok, ils craignent aucun élément qu'on a de base. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, un joli matou. Attends, il craint quelque chose, le matou? Ah oui, c'est vrai que pour l'instant, on peut pas savoir. Jiraiya! Ok. Ok, il craint aucun élément. On dirait. Oh, on l'a pas lui. Mudo. Non, pour l'instant, on s'en fout. On va avancer comme ça. Par contre, waouh, je m'attendais. Donc, si on revient en arrière, est-ce qu'en fait, une des deux personnages, il y a une clé là? C'est quoi, c'est ici? Non, trois évadés. Par contre, waouh, les évadés, on en a ici. Ah, ok, on a affronté les deux ombres ici. C'est pour ça que ça, j'en ai eu deux vagues. Oh, toi, je risque pas. Je veux pas t'affronter, donc vas-y, casse-toi. Vous vous échappez à chaque fois, c'est une perte de temps complet. Non, toi, je m'en fous. Ok. On va faire un Mazio. Ma buffe. Ah, je l'ai pas vu qu'il est encore là, lui. J'ai même pas vu qu'il était ici. J'ai même pas vu. Je crois qu'il était déjà mort, donc j'ai même pas fait gaffe à ce petit moustique. C'est ouf, hein. C'est ouf quand on fait même pas gaffe à ce qu'il y a autour. Hein. Attends, me dites pas que j'ai fait le tour. Ah bah c'est pour monter. Ok. Un homme ne peut pas reculer dans une telle situation. Regardez, et je vous montrerai à quel point Kanji Tatsui peut être viril. Je n'en doute pas de Kanji. Mais pour l'instant, tu vois, ça m'intéresse pas ta situation. Alors. Ouais. On va peut-être pas faire en automatique parce qu'ils ont l'air quand même de faire un petit peu mal, hein. Un petit peu. Récupérer des PVPC. Et voilà. Je sais même pas si j'ai pris le bon chemin. Je pense.
Je pense. Oh. J'ai ouvert le coffre sans faire exprès. Bon. Oh ouais, non mais en fait... Tranquille quoi. Voilà. Alors, donc, lui on l'a pas, c'est nickel. Donc on la prend déjà, ça. Ça on la change en persona, et voilà. Senri, qui est l'impératrice. Bah, vas-y, on va t'enlever par ça. Et toi, bah, vu que t'es la papesse, on t'enlève par Senri. Comme ça, c'est fait. On s'embête pas. Compétence. Suki, t'as plus de. T'as plus de MP. Bon, on l'a pris en avant, mais... Oula, j'en ai pas affronté de ça. Ok. Ok, ils craignent pas ça. Ça se trouve, ils craignent le feu. Vu que c'est du bouffou, ça se trouve, ils craignent peut-être du feu. Même pas. J'aurais cru. Toi, tu vas nous soigner, je pense, hein. Bon, c'est même pas ça que je voulais faire. Là, c'est encore l'habitude d'appuyer sur triangle pour des Persona. Voilà. Voilà. Nickel. Ah, une personnage qu'on n'avait pas. Le pendu. On va faire là. Par contre, on commence à... être un petit peu à court de PM, mais sinon sans ça, ça passe tranquillou. Celui qui a plus de PM, bah c'est lui. C'est notre cher Yu. Bon. On va faire gaffe de ne pas affronter trop d'ombre. De garder un peu de PM en cas où s'il y a un boss, parce que sinon on serait obligé de quitter cet endroit. Et ce serait bien pour le premier rush d'affronter au moins le premier boss. Hein? Un homme? Un homme à ce qu'on appelle de la fierté. Je ne perdrai jamais.
C'est mauvais. La vapeur empire, je ne peux plus du tout dire où est Kenji. Peut-être qu'il est temps pour moi de prendre ma retraite en tant que guide. Déjà? C'est pas que je n'aime pas les shadows, mais je vais éviter quand même d'en affronter quelques-unes, histoire de... de garder un peu des MP libres. En cas où, s'il y a un boss. Après, en vidéo, ça ne m'empêchait pas de revenir et de gagner les personnages qui me manquent avant de continuer l'épisode. Mais là, non. C'est pas que j'aime pas les affronter, au contraire, hein, ça me fait de l'XP, j'aimerais bien. Hein. Mais des fois, on est obligé de battre en retraite. Hein. Parce qu'il y en a une qui me colle au cul! Non! Oh, par contre, ça n'aura pas fait une attaque prio. Ok, double croc. En fait, il résiste à tous les éléments, en fait, hein. Sauf aux attaques basiques. Aux attaques physiques, ils y résistent pas, eux. Voilà. Voilà, dégage. Oh, lui, on l'a pas, c'est un Mokoi, je crois, de base. Je crois qu'il s'appelle Mokoi. Ouais, c'est un Mokoi. Ok. Donc là, on peut enfin monter les escaliers. On est au sixième. Sensation, notre Kenji nous observe. Salut beau gosse, d'essayer de briser la barrière de l'inacceptable, comme moi? Non, maître est venu pour sauver Kenji. Oh, ça veut dire que tu désires me trouver? Vraiment? Oh, ça me rend si heureux. Alors je dois préparer quelque chose de spectaculaire pour toi. Je suis tellement impatient de te voir. Allez, à toutes. La gueule qui tire. Maître, ce petit ours commence à avoir trop peur pour vous continuer. Tu m'étonnes. Ça commence à être un peu très obsédé là. Enfin, attention, c'est un endroit est assez obsédé. Tu veux pas taper dans le vide parce que là t'es trop derrière moi et je suis pas fan. Hein. Tu me collais vraiment au cul, mais un truc de hardcore. Bon, on est où là? Oh! Étrangement, cet étage est vraiment humide. Tenez bon, les gars. Ouais, ça sent le boss, quoi, c'est ça? Étrangement, ça doit sentir le boss. Oh non, t'as raté.
En plus, on a tout depuis tout à l'heure des tirages garantis, donc je vais pas dire non. Hein. Ah merde. XP divisé par 2. Celle du soleil qu'on va remplacer, je sais pas moi. Pour l'instant, j'aime bien ce que j'ai. Ah, j'aime. Je suis pas trop fan du Mokoi. On va retirer Mokoi. Pas trop trop fan du Mokoi. Bon, on va essayer de monter d'un étage. Je pense que là, on se sera là. Puis on utilisera un évadé. Parce qu'en termes de PV. Enfin, surtout en termes de. De PM, on est. Y'a quoi? Oula, une grande unité de vapeur. Ok, donc ça sent le boss. Rang 50 PC. Ouais, eux ça devrait aller. Je vais peut-être faire plutôt ça pour les PC pour eux. Là, je pense qu'on peut tenter. On peut tenter dans cette direction. Dans cette direction, go. Oh, bienvenue dans le monde des hommes. Cet endroit vient de se réchauffer par l'entrée d'un beau jeune homme. Pour fêter cette rencontre, je vais vous préparer une scène spéciale ce soir. Un match sans limite de temps. Qui sera encore debout à la fin de la rencontre? Maintenant, battez-vous dans le sang et les tripes. Oh, ne perdez pas, maître. Ok. Il se booste, donc ce qu'on va faire... Bah avec toi on va taper. Augmente l'attaque. Y'a pas un truc qui augmente la défense? Bah on va augmenter l'attaque de You. Compétences. Augmente la défense d'un. Diminue la défense d'un ennemi. Augmente la défense d'un allié. On va augmenter ma défense. Ok, il se booste vraiment à mort. Allez, un petit crit, non? Il n'y a pas un seul crit, hein. On va diminuer sa défense, on va diminuer sa défense. Oh putain! Oh ça fait mal! Oh ça fait mal! Oh ça fait mal! Oh ça fait mal! Ok, donc à mon avis, il rattaque dans 3 tours, ça se trouve. Je pense que c'est ça, hein. Voilà, rébellion, et la prochaine il fait encore une attaque. Logiquement. Une attaque de charge. Logiquement c'est ça, hein.
Ah voilà, le bonus d'attaque, je l'avais oublié. Ok. Coup simple sur qui? Ah ouais, donc en fait il met KO obligatoirement quelqu'un. Il fait trop mal. Je suis peut-être pas assez au niveau, mais il fait mal. Mais il est mort. Voilà, au moins il monte de niveau. Et un Nagi qui fait sur tout le monde. Bah voilà. Enfin, elle l'avait déjà, non? Donc là, si on avance... Ah bon, on sait qu'il est très bas, Yusuke. Mais je vais voir si au prochain, c'est l'étage qui monte. On va esquiver les combats. On va esquiver d'esquiver les combats. Et puis si on affronte obligatoirement une ombre, bah on affrontera obligatoirement une ombre. Si vraiment je sens qu'elle va nous taper, on sait ce qu'on fera. Tout simplement. Ici, il n'y a rien. Ok. Non, mais je peux te fermer la porte au nez. J'aurais été très content de le faire, ça. Si ça aurait été possible, je l'aurais fait. Parce que là, elle me suit. Hein, elle me suit. Oh eh, mais elle me suit comme la petite mouche qui suit la merde. L'odeur d'une merde. Je vous jure, c'est horrible. Non, non, bordel. Ce n'est pas important pour un homme. Ce n'est pas ce que je veux devenir. C'est pas ça du tout. Eh maître, le monde d'où vous venez a l'air vraiment dit compliqué. Depuis que je vous ai rencontré, j'ai vraiment eu beaucoup à réfléchir à ces choses comme par exemple ce que je suis. Du coup, je comprends un peu ce que Kanji ressent. Maître, il faut qu'on sauve Kanji. Ouais. Allez, évadez. Ça va maître? Ne vous donnez pas trop. Et nous on va se reposer, on va se casser et se reposer. Et moi je pense que je ferai un petit peu de level up, mais vraiment un petit peu, donc... Allez, on se casse. Donc... Voilà. Oh, oh Kylie. Pim, 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 pim. Ah oui, bah oui, je peux pas étudier, ok. Bon. Et ben, comme ça. On va à Junes. Et on va dans la télé. Ah, j'aurais peut-être pu monter à Dashi, mais non. À moins qu'il y ait rien au-dessus, donc c'est qu'on peut pas. C'est pas grave, c'est pas grave, donc de toute façon. Nous rentrons dans la télé. À l'intérieur, il y a un monde que vous ne soupçonnez même pas. Non, je m'en bats les couilles, en fait. Bon, eh ben les amis, nous, on va se laisser là. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à s'abonner. Et on se dit à très bientôt et à la prochaine pour la suite de Persona 4 Golden. Allez, ciao ciao Mila.